Alors, le droit à la santé, pardon, est remis en cause de deux manières. Premièrement, par une atteinte à la sécurité sociale, et deuxièmement, par la destruction des hôpitaux. Pour être bref, je vais parler surtout de la deuxième partie. La situation dans les hôpitaux est une situation qui nous concerne tous. Moi, dans la commune, plein de concitoyens, beaucoup de concitoyens, ont eu des problèmes à l'hôpital. On endort un bras, on anesthésie un bras, et puis on fait passer une sonde jusqu'au cœur dans l'autre bras, parce que les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont tellement gérés à flux tendu que quelquefois, une infirmière qui a déjà travaillé 12 heures, c'est arrivé à quelqu'un que tu connais, à la fin de son service, on lui dit... la personne qui devait vous remplacer est malade, et puis comme on n'a personne en rab, et ben vous devez continuer. Donc les gens sont parfaitement conscients que les personnels des hôpitaux ne sont absolument pas responsables de cette situation intolérable, et qu'ils sont complètement au bout, qu'ils n'en peuvent plus. Donc beaucoup d'hôpitaux ferment, ça contribue à ça, parce que plus on concentre tout le monde sur un même hôpital, plus ça permet de gérer les personnels à flux tendu. À flux tendu, ça veut dire qu'on ne tient pas compte que quelqu'un peut être malade, qu'une infirmière peut avoir un congé maternité, que quelqu'un peut être retardé sur la route. Bon, donc c'est prévu comme si jamais il y allait avoir d'incident. Mais ça, c'est pas la vie. Dans la vie réelle, il se produit des incidents et on a toujours... besoin pour qu'un système fonctionne d'avoir du personnel en surnombre par rapport au minimum théorique indispensable.